C'est quoi toute cette lumière là? Je suis dans un studio photo ou quoi? Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui on va aller voir ensemble le prochain portail qui va sortir sur la version globale de Dokkan Battle. Donc le portail sortira le lendemain de cette vidéo. Comme ça je vous donnerai des infos pour vous aiguiller à propos de votre box et de vos invocations. Voilà, parce que tout le monde dit faut pas invoquer dessus, attendez Go GT et Broly. Moi j'en avais un peu plus nuancé à ce niveau là. Parce que déjà, premièrement, le portail de Black est beaucoup mieux que celui de Broly. Donc, je préfère que vous économisez pour Black que pour Broly et Gogeta, même si on est tous Broly et Gogeta. Le portail, je trouve beaucoup moins rentable que celui de Black. Et deuxièmement aussi, je le trouve pas trop mal, ce portail, hein, l'air de rien. Je le trouve pas trop mal. Donc, on va aller voir ensemble tout ça. N'hésitez pas, les frérots, à mettre un petit pouce bleu. Ça ferait plaisir. Comme vous avez vu, j'ai acheté des lumières. Il y a un peu plus de lumière sur ma gueule, mais ma chambre, elle est petite. Donc, voilà, j'ai un peu trop de lumière. Mais ça va, c'est cool. Je trouve quand même ça mieux. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous préférez ou pas. Normalement, il y a moyen que je déménage au niveau de l'enregistrement et que j'aille dans une autre chambre pour enregistrer. Voilà, je vais faire les préparatifs pour tout ça. Donc, on va commencer sur le détecteur, bien sûr. On va avoir 7 unités sur le détecteur. Donc, ça déjà, c'est une première info. On va avoir 4 unités de Canfest et 3 unités hors de Canfest. Sur les 3 unités hors de Canfest, on va avoir 3 unités qui sont excellentes. On va avoir un support qui est la Kaioshin qui est juste ici. Donc, qui permet d'avoir 40% d'attaque et de défense pour la catégorie divine. Donc on va aller voir plus en détail les cartes après. Pour l'instant je fais un petit résumé. Le Satan qui est un très bon tank et en plus qui esquive les attaques. Donc très complet au niveau défensif. Et on va avoir le Bou. Donc le Bou qui va avoir son Dokkan et qui va devenir un carnage qui en plus gnoque avec les boules de qui puis. Donc qui va être vraiment excellent. Donc 3 unités très bonnes déjà. Franchement, sur ce détecteur là, déjà première chose, il n'y a aucune unité qui est poubelle. Genre toutes les unités sont très bonnes. Même les unités hors détecteur, les unités hors Dokkan Fest sont très bonnes. Genre il n'y a vraiment rien du détecteur ajouté dans la poubelle. Si vous faites une multi vous, et vous avez un arc, enfin non, arc-en-ciel, je sais pas si ça garantit. Si vous avez voilà une combinaison qui permet d'avoir un SSR du détecteur garanti, et bah ici vous allez avoir forcément un bon perso, c'est sûr à 100%. Donc après, on va avoir, pour ce qui est des Dokkan Fest, le Kid Buu Inc qu'on ne présente plus. Hein. Il heal, il a un très bon boost d'attaque. Donc il part, il a un leader de Neo God. Donc 120% d'attaque de défense et d'HP pour le type Extreme Int. On va avoir le Janemba qu'on ne présente plus non plus. Hein. Janemba qui va esquiver, une chance sur 3 d'esquiver les attaques, que ce soit des attaques SP ou des attaques normales. Tout le temps la garde activée, un petit boost d'attaque sympa de 80%. Donc très bonne unité, leader pour la extrême puits, comme le Kid Buu mais pour l'extrême puits du coup. On va avoir 2 leaders catégories, ça c'est très intéressant. Parce que les portails à double leader catégorie, il n'y en a pas masse en vrai hein, ces temps-ci. Donc on va avoir en premier le Végéto Super N. Donc catégorie Sakat Buu, il va tanker, il va contrer. Très bon leader, on peut jouer néanmoins avec Végéto Int. Donc vu qu'ils n'ont pas le même nom, on peut jouer Végéto Int avec, on peut jouer les Végéto aussi. Qui n'ont pas leur Dokkan, qui ne sont pas passés Super Saiyan, donc Végéto Tech par exemple. On peut jouer aussi Végéto Blue, donc le Végéto Blue qui n'est pas de la catégorie. Je suis en train de m'éparpiller un peu, mais voilà. Et du coup, on va passer au Super Buu, qui est le plus intéressant ici, et qui est vraiment une très bonne unité que je trouve, qui est un peu boudée sur le jeu. Donc à la même image que Kid Buu à l'époque, Kid Buu In qui était excellent et Janemba aussi qui n'était pas très joué pourtant, qui était vraiment très bon. Alors pourquoi il est très bon, on va aller le voir tout de suite. Ça va être le premier perso qu'on va aller voir. J'ai du mal, on va y arriver. Alors donc au niveau du leader, on a un leader pour une nouvelle catégorie, la catégorie transformation renforcée. Donc ça va être toutes les transformations ultimes, par exemple le Migaté, le Végétablo Evolution, le nouveau Gogeta Blue qui est sorti sur la version Jap, le nouveau Broly. On va avoir en plus de ça un boost de 90% pour le type extrême. Puis on va avoir dégâts immenses sur l'aspect, ce qui est normal maintenant pour un Dokkan Fest, des dégâts immenses. Et réduit l'attaque et la défense. Donc ça c'est très bon, hein, ça reste excellent, réduit l'attaque et la défense. Ce qui est dommage c'est que maintenant avec, les restrictions au niveau des events, maintenant il y a certains boss où on ne peut plus baisser l'attaque. Mais globalement c'est vraiment très serviable comme pour les types Battle Road, les trucs comme ça, c'est un peu pareil. Au niveau du passif, on va avoir attaque et défense plus 80% et il se transforme. Donc il a 3 formes différentes et les 3 formes ont une condition différente. Au niveau des liens, on va avoir d'excellents liens. Magie, cruelle, transformation, régénération infinie, peur, désespoir, mur gênant et combat acharné.
Alors pourquoi je dis que c'est des très bons liens, c'est parce que ces liens proc très facilement dans sa team. Donc au niveau de la catégorie qu'on va aller voir ensemble juste après, donc transformation renforcée. Et il fait partie aussi de la catégorie Sakaboot bien sûr. Donc on va commencer par le Buan. Donc le Buan, alors il augmente fortement l'attaque et la défense en plus de 50% quand il part en spé. Donc ça les gars, c'est incroyable hein. 50% d'attaque et de défense, faut le savoir, c'est vraiment un truc de malade. Je trouve que les gens le soulignent pas assez, mais c'est vraiment très très fort, genre vraiment. Au niveau du passif, on a une récupération 10% d'HP au début du tour, très bon. Et en plus de ça, une attaque et de défense plus 120%. Donc je résume, il va avoir attaque et défense plus 120% au début du tour. Et en plus de ça, derrière, quand il part en spé, il va avoir 50% d'attaque et de défense en plus. Sachant que vu que ce boost d'attaque intervient à la fin du tour, il va être démultiplié tout simplement parce que ça va prendre tous les boosts qui vont venir avant. Et ça va être plus du... alors je sais pas exactement les calculs, je les ai pas fait, mais ça va être beaucoup plus que du 50%, peut-être du 70%. Et c'est très 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 puissant, vraiment, vous allez être étonnés. De voir combien il tank et combien il tank tout. Franchement, cette unité, j'espère la voir. Parce que vraiment, elle est dingue. Je vais peut-être faire une petite multi dessus. Elle est vraiment incroyable. Hein. Le Bou Gotenks, donc lui, il a une autre utilité. Lui, il va sceller l'aspect sur son attaque spéciale. Il récupère 8% d'HP, donc 2% de moins que le Buan. Il a attaque plus 120% et défense plus 100%. En plus de ça, il a attaque plus 30% si l'ennemi a son attaque réduite. Donc là, c'est encore différent. Au niveau des liens, ça va. Ici, on va avoir combat décisif. Donc, les liens changent aussi. Ça va être. Au niveau des transformations, c'est vrai que ça va être un peu galère à gérer au niveau de ce combat décisif. Mais bon. Après, on va avoir le Boucolo. Donc, augmente fortement la défense de 50% quand il part en SP. Ok, d'accord, pas mal. Récupération de 15% des PV. Donc, lui, il heal beaucoup plus. Et lui, vraiment, il est très intéressant parce que c'est plus un support, mais un très bon support en fait. Il attaque et défense plus 100% plus de ça. Et il augmente de 30% la défense et de qui plus 3 pour tous les alliés. Donc, ça va vous permettre d'avoir une rotation qui tank à chaque tour. Et je peux vous garantir qu'il va quand même faire des dommages malgré le fait que. Entre guillemets, ça soit un petit... Il va être franchement très complet, en fait. Il va apporter du ki, qui manque quand même pas mal dans cette team. Il va apporter de la défense, il va apporter de la régène, il va apporter de l'attaque. C'est un couteau suisse, tout simplement, ce perso-là. Je trouve vraiment excellent. Donc, au niveau des conditions, on va avoir entre 80 et 100% le Buan. Entre 50 et 80%, je crois, le Boutenks. Et entre en dessous en fait de 50% le Boucolo, si je me souviens bien. Donc franchement, une unité très complète. Ces trois transformations sont assez différentes. Je pense que celle qui est un peu au-dessus, c'est le Boutenks. Mais réellement, ils sont tous très très bons. On va avoir des liens qui vont très facilement proc. Donc Majin, en fait, on peut se faire une team debout. Majin, il va proc facilement. Démon, c'est vrai qu'il y a un peu moins transformation. Facilement, peur et désespoir facilement, mur gênant pareil, combat acharné pareil. On va avoir vraiment énormément de boost d'attaque ici. Et en plus là c'est pas la forme Buen, c'est la forme Boucolo. Au niveau, donc pour en revenir au sujet de invoquer ou pas, pour moi franchement, si vous n'avez pas Végéto End, ce portail vaut peut-être le coup de lâcher une multi dessus. A voir si vous avez Janemba et Kidbu. Franchement, si vous avez aucun des trois, lâche au moins une multi dessus, hein. C'est vraiment des très bonnes unités, même si les Néo sont sortis à un moment, ça reste des très bonnes unités. Après, s'il vous manque que Végéto, c'est un peu plus discutable. Mais s'il vous manque Végéto plus un Néo, vous pouvez peut-être tenter le coup. S'il y a les autres unités que je vais vous présenter ici qui vous intéressent, donc les unités hors d'Okan Fest. Donc, on va avoir, donc voilà, le Végéto, hein, on va pas présenter plus que ça. Il contre, il a un boost d'attaque à chaque fois qu'il se fait toucher, donc il réduit de 50% les attaques. Il a un leader catégorie Saga de Bou, donc une excellente unité qui ne remplace pas pour autant le AG. Hein. Le AG a quand même sa place vu qu'il réduit de 80% les dommages et celui-ci de 50%. C'est vraiment une différence notable entre les deux, surtout quand elle les joue dans un event ou du type Super Battle Road, etc. où il y a besoin de vraiment tank. Donc, on va avoir le petit bout ici. Alors, inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis. Là, ça va être des dégâts colossaux à tous les ennemis, donc... C'est vraiment très très fort, ça va pas être d'énormes dégâts, ça va être des dégâts colossaux. On va avoir une petite chance d'étourdir, 20%, pourquoi pas, c'est toujours pas mal. En plus de ça, il change de sphère de ki int en sphère de ki puits, attaque et défense plus 50%, et pour chaque deux sphères de ki puits récupérées, il va avoir attaque et défense plus 10% en plus.
Donc il va tank, il va taper tout le monde, il va stun à une moindre mesure. Et il va taper, donc c'est plutôt une très très bonne unité. En plus il change l'équipe, donc rien que pour le prendre, pour changer l'équipe, pour son petit boost. Il est déjà très très bon. En tournoi, il peut clean, je pense, très facilement avec un doublon, voire deux doublons le board. Ça reste à tester, mais je pense qu'il va pas avoir de soucis à ce niveau-là. Bah voilà, rien à dire de plus, en fait, tout a été dit, cette unité est vraiment très bonne. On va passer à la Kaioshin, donc comme je disais tout à l'heure, elle va avoir un boost d'attaque et de défense de 40% pour la catégorie divine. On va avoir un boost de 7% de chance de critique aussi, c'est toujours ça à prendre, hein, c'est toujours pas mal. Ça peut faire plaisir de critique dans un temps, même si c'est que 7%, ça peut arriver, ça c'est cool. On va avoir quand même un DS de la guerre, ça on jette à la poubelle. Innocent, ça va pas trop servir en team divine, on va pas se mentir. Courage, pareil, vitesse époustouflante, ça par contre ça va être pas mal. Dimension des dieux aussi. Et la puissance suprême qui va être très bon aussi, notamment avec Végéto. Donc une excellente unité, elle augmente fortement son attaque sur sa spé. Mais ça va être un support, du coup elle va pas taper tant que ça. Mais son boost est vraiment très notable, c'est un peu le néo support catégorie divine. C'est un peu ça. Et vraiment une excellente unité, donc si vous avez la catégorie divine tout simplement. Donc on va passer au Satan, donc le Satan comme je disais tout à l'heure, qui est très très bon défensivement parlant. On va avoir dégâts colossaux sur sa spé et une chance sur 3 d'étourdir l'ennemi à peu près, donc 30%. Sur le passif, et c'est là le plus intéressant, on va avoir forte chance donc d'esquiver les attaques, 50%, une chance sur 2 de chance d'esquiver. Et en plus de ça, on va avoir des dégâts qui réduisent en fonction des PV donc. Plus les PV restants sont hauts, plus il va tanker si je me souviens bien. Donc de 50 à 90% en fonction des PV restants. Pour les liens, on va pas avoir de choses terribles, hein. On va avoir un combat acharné qui est notable. Mais c'est vrai que le reste c'est pas super. À part Hero qui peut proc avec le grid Sayaman LR qui peut être pas mal. Qui rajoute 20% de défense en plus. Donc c'est toujours un lien bon à prendre. On va avoir aussi la puissance suprême qui va proc avec Végéto dans la saga de Bou, qui est pas mal du tout. Donc, réduction de dégâts de 90% quand les PV sont compris entre 0 et 20%. Donc, je me suis trompé, c'est plus les PV sont bas, plus les tanks, ce qui est logique. Et ce qui est... bon, après, je sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien. Je pense que pour moi, c'est un peu moins bien. Mais il a quand même 50% de réduction de dégâts quand il a 100% de sa HP. Voilà. Entre 80 et 100%, 50, puis 60, puis 70, puis 80. On va quand même avoir du 50% de réduction de dommages lorsqu'il sera entre 80 et 100% des PV. Et ça, c'est notable. Au niveau des catégories, on va avoir Saga de Bou et puis Hero. Enfin, Tenkaichi Budokai, ce que je racontais. Tenkaichi Budokai, la catégorie qu'on n'étudie jamais. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, très très bonne unité pour ce qui est de. Défensivement, je pense en fait, c'est un des meilleurs tanks. Je pense que c'est un des meilleurs tanks du jeu, voire le meilleur tank du jeu défensivement parce que. En plus de tank, il esquive en fait. Il a les deux. Au niveau donc, pour en finir, des autres portails. On va avoir donc le portail de Metal Cooler qui va sortir après normalement. On va avoir trois leaders catégorie dessus. Donc Metal Cooler, qui est le leader pour la catégorie en gros de la race de Freezer. On va avoir Mirai Gohan, leader de la catégorie future. Et Jiren, leader de la catégorie tournoi du pouvoir. Donc ces trois là sont d'excellentes unités. Comme vous allez voir, le détecteur il va être blindé quand même. On va avoir un Piccolo qui est très bon, un nouveau Piccolo. Un Vegeta aussi qui est très bon. Mais c'est vrai que ce détecteur là je le préfère un peu moins. Enfin quoique il est quand même pas mal du tout. Il y a le couleur End et le Freezer. Mais le Freezer moi j'ai 100% donc ça m'intéresse pas. Mais le détecteur est très bon ici, hein, vraiment très bon. Même les unités hors détecteur sont excellentes, hein. Ces deux là sont enfin hors détecteur, hors d'aucun fait sont excellentes. On va avoir un portail plus que potable à ce niveau-là. Et le pire va venir ici. Donc le portail de Black, vraiment le summum à ce niveau-là. Alors ce qui est chiant dans ce portail-là, c'est qu'on va avoir aucune... Enfin, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir aucune unité hors de Canfest. Mais ce qui est chiant, c'est qu'on va avoir des unités de Canfest dont on s'en fout, en fait. Mirai Trunks, en fait. Il est Trunks Ikari, comme vous voulez vous l'appelez. Il est vraiment nul. On va pas se mentir, même en changeant de ki, il est nul, il tape très peu, même à 100%, c'est vraiment une unité, c'est un enfant gâché. Il est vraiment nul, hein. Non, vraiment, vraiment nul. Donc c'est dommage qu'il ait mis sur ce portail là, peut-être un futur ZTUR, on verra bien, c'est très cool. C'est pas impossible d'ailleurs qu'il y ait un ZTUR un jour. Le Celtec, donc très bonne unité, ZTUR, dans les meilleurs ZTUR, il tank très bien. Unité vraiment à voir si vous l'avez pas, foncez. Le Vegeta
qui est pas terrible en réalité. Je l'ai à 100%. À 100%, il est pas mal. Mais si vous avez pas de doublon dessus, il est pas ouf. Franchement, il est pas si ouf que ça. Il augmente grandement son attaque à chaque spé, mais ça fait que sa première spé, en fait, en gros, comme vous gagnez, je crois que c'est 50% d'attaque à chaque spé, bah, il va avoir 50% d'attaque en moins sur la première spé, et c'est assez chiant. Mais mettons tout ça de côté, parce qu'on va avoir 4 leaders, et oui, pas moins de 4 leaders. Donc, on va avoir un leader pour le team extrême, qui est Black Goku Rezepui, qui, en plus de son leader, est une excellente unité qu'il faut vraiment avoir, que ce soit en extrême puits ou en divine, avec Black Goku et Zamasu et l'air à côté. Il inflige de gros dégâts, boost de ki et en plus boost de défense. Donc c'est vraiment un monstre à côté du Zamasu. On va voir le Batake SSJ3, donc leader de la catégorie Super Saiyan 3. C'est un perso qui est assez dispensable, mais qui est vraiment très bon en soi. On va avoir un très bon leader pour la catégorie SSJ3. On va avoir aussi un boost d'attaque et de défense de 100%. Une chance sur deux de sceller l'aspect. Dommage qu'il n'ait pas 100% de chance. Et en plus de ça, quand on va avoir moins de 70% des PV, on va avoir un boost de 40% d'attaque. Ça, c'est vraiment excellent. En plus de ça, on va avoir le Goku, donc SSJ4, leader de la catégorie pleine puissance, qui est vraiment un excellent perso. Il esquive les spé, il contre, il fait des très bons dégâts. Vraiment excellent perso. Et on va avoir le Black qui est vraiment incroyable. On ira plus les voir en détail quand le portail sortira, hein. Je vous fais un petit récap. Qui est en gros le leader de la catégorie voyageur du temps, quelque chose comme ça, qui va regrouper donc tout ce qui est en rapport avec les voyages dans le temps. Il est vraiment très 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 bon. C'est vraiment une dinguerie ce portail en fait. Ce portail il est vraiment malade en réalité. Je pense que ce portail pour moi est vraiment largement meilleur que celui de Broly et Gogeta. Même si Broly et Gogeta sont kiffants, au niveau de la rentabilité avec chaque multi, ce portail je le trouve largement meilleur. Donc si vous voulez économiser vos DS, économisez-les vraiment pour ces portails là. Mais voilà, bon, on va falloir invoquer un jour, on va pas garder nos DS toute notre vie. Donc voilà, petit récap de cette vidéo. Donc je vous conseille, vous pouvez lâcher une petite multi si vous avez plus de 300 DS pour avoir, si vous n'avez pas un de ces trois persos là, donc en plus du Super Woo bien sûr qui va sortir, que vous n'aurez sûrement pas. Donc ça fait, vraiment je vous conseille vraiment d'invoquer si vous n'avez pas un des 4, même un des 3. Après c'est plus restrictif, ça dépend de ce que vous voulez. Au niveau, donc comme je disais, des portails où il faut garder ses DS, on va avoir forcément des portails qui vont arriver. Soit vous gardez vos DS, soit vous les gardez pas. Mais c'est vrai que vous vous amusez un peu dans le jeu, donc le choix vous appartient. Mais comme je vous ai dit, le portail le plus rentable, c'est celui de Black Goku. Faut pas se faire d'illusions, le portail de Gogeta et Broly, même si tout le monde va invoquer dessus, n'est pas du tout le plus rentable. Donc voilà pour cette petite vidéo, les frérots, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. À vous abonner aussi, à checker le lien du YouTube dans la description. Bon, il y en a, je le dis au cas où, hein, ça fait plaisir. Vous regardez une petite pub et puis gratuitement, ça me fait un nom, donc ça me permet d'invoquer... du coup, et de vous faire plus de vidéos d'invocation, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Plein de likes pour vos invocations, j'espère que vous aurez tout ce que vous voulez du coup si vous invoquez. Ciao, ciao, à la prochaine, des bisous.